Première partie. Le jeu du sang. Le vestiaire retentissait de cris, d'échos et du crépitement liquide des douches éclaboussant le carrelage. Les filles avaient joué au volley-ball. Pendant la récréation, et leur transpiration était légère et fraîche. Carrie se tenait massivement plantée, dégoulinant. Maussade, elle restait plantée là, tête penchée, ruisselante, inerte sous la douche. Ce ne fut qu'à l'instant où elle s'écarta de la douche qu'elle virent tout le sang qui lui coulait le long de la jambe. Elle croit que ça sert de rouge à lèvres, mais enfin, Carrie, t'as tes règles. Soudain, un tampon hygiénique la frappa à la poitrine et tomba à ses pieds avec un choc. Les rires dégoûtés, méprisants, horrifiés, parurent s'amplifier pour se muer en une agressivité malfaisante et les filles se mirent à lancer sur Carrie des tampons, des serviettes hygiéniques. Les projectiles volaient comme des flocons de neige et le refrain devint « Messire bouchon, messire bouchon !» Ce qu'aucune ne savait, bien sûr, c'est que Carrie White était télécinétique. Graffiti sculpté dans un bureau du collège Chamberlain. Les roses sont rouges, les violettes bleues, le miel sucré, mais Carrie White bouffe de la merde. Elle descendit Ewan Avenue et traversa l'intersection de Carlin Street à hauteur du feu rouge. Des crampes lui parcouraient le corps en longues vagues douloureuses. La force embarrassant à ralentir le pas, comme une voiture au carburateur écrasée. Lui écraser la tête avec un énorme rocher. Leur écraser la tête à toutes, ce serait formidable. L'élément dominant dans la pièce était à coup sûr l'énorme crucifix de plâtre dressé contre le mur du fond. Un rictus de douleur outrancier figé sur le visage. Le Christ qui était fixé, la bouche entrouverte, inversée vers le bas. La bouche entrouverte. Ah non, incurvée vers le bas. La bouche entrouverte. Il y avait aussi une machine à coudre, avec une lampe devant laquelle Carrie piquait quelquefois des robes pendant que maman brodait des napperons et parlait du jugement. Elle dégrafa son soutien-gorge de coton et le laissa tomber sur le sol. Ses seins étaient d'un blanc laiteux, lisse et gonflé. Elle se caressa à la poitrine et un frisson la parcourut à fleur de peau. C'était mal, très mal. Maman lui avait dit qu'il y avait une certaine chose. « Attention !» disait maman. « Ça vient la nuit. Cela... » Attends, je sens que ça monte. Chris regardait par terre, avec un reniflement de mépris affecté. Le reste des filles contemplaient un peu n'importe quoi, au hasard, évitant avec soin leur professeur de gymnastique. Sue se surprit à considérer la rangée des douches, la scène du crime. Y en a-t-il une parmi vous qui ait pensé un instant que Carrie pouvait éprouver des sentiments? Voilà, une semaine de retenue. Soupir spontané de soulagement. Je ne viendrai pas, comme vous voudrez. 3 jours de renvoi et l'interdiction du bal. Vous y êtes. C'est pas fini, dit Chris Arkenstein entre ses dents. C'est même loin d'être fini. Personne ne dit rien. Mais t'es complètement folle! Il la considéra. C'est pourtant bien ce que je veux, Tommy. Pas pour moi. Les traits de Sue se durcirent. C'est pourtant bien toi. Hé là, minute. Je veux pas dire. Laisse-moi parler. Tu veux que je conduise Carrie White au bal de printemps? D'abord, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle accepterait? Ne pas dire oui, mais enfin, avec toi, elle viendra sûrement. J'ai bien vu comme elle te regarde. Enfin, je te le répète, Tommy, elle pourra jamais te dire non. Tu n'as pas touché à ta tarte, Carrie. Maman leva les yeux du tract qu'elle lisait avec attention, tout en buvant son infusion. C'est moi qui l'ai faite. Ça me donne des boutons, maman. Tes boutons, c'est une punition du bon Dieu. Allez, mange ton gâteau.
Maman? Ouais. J'ai été invité au bal de printemps vendredi prochain par Tommy Ross. Et c'est un garçon très gentil. Il m'a promis de passer à la maison pour que... Non! Qu'il me ramènerait à 11h. Non, non et non. Maman, je t'en prie. Je veux essayer d'être normale, d'être moi-même. Et là, j'ai ma voix normale. Je suis bizarre. J'aime pas ça. Miss White lance à son thé à la figure de carré. Après le son, viennent les garçons. Comme les chiens qui reniflent, qui allaitent, qui bavent, des chiens qui essaient de trouver d'où vient l'odeur, cette odeur. Elle lança le bras toute volée et sa paume s'abattit contre le visage de Carrie. Elle passa sa robe pour la première fois le matin du 27 mai dans sa chambre. Elle avait acheté un soutien-gorge spécial pour la porter qui mettait sa poitrine en valeur. Non pas qu'elle en ait eu besoin le moins du monde. Elle n'aperçut dans la vitre qu'un reflet fantomatique et frustrant de sa silhouette. Je vois tes albosses. Tout le monde va les voir. Ce sont mes seins, maman. Toutes les femmes en ont. Enlève cette robe. Non. Maman poussa un hurlement. Elle crispa le poing droit et se frappa dans la bouche. Elle y mit les doigts et les plaqua sur la couverture de la Bible. Laver le sang de l'agneau, chuchota-t-elle. Elle regarda Carrie, les yeux flamboyants. Une expression terrifiante de fureur sacrée imprégnait son visage. Laver le sang de l'agneau. C'est dur dans deux. Il va jamais venir. L'eau qu'on surveille ne bouge jamais. Il viendra. Il viendra pas. Il est là, dehors, à se moquer de toi, avec tous ses amis. Et tout à l'heure, ils vont défiler à la fenêtre, dans leur voiture, en klaxonnant, en poussant des cris, en sifflant, en t'humiliant. Tristement, elle se concentra pour soulever la machine à coudre et lui faire décrire dans l'air des cercles de diamètre croissant. 7h33, il viendra pas. Alors je démolis la maison. L'idée lui vint naturellement, spontanément. D'abord, la machine à coudre, projetée à travers le mur du salon, le canapé, par une fenêtre, les tables, les chaises, les livres. Tout. Un pinceau lumineux illumina la fenêtre. 7h34. Elle ouvrit la porte. Il était là. Je te plais. Tu es très belle, répondit-il. Déjà, on va faire un test. Là, ça. Là, toi, tu te cacheras. Il est temps de voter. Carrie et Tommy s'assirent. Tina Black et Norma Watson circulaient dans la salle, distribuant les bulletins de vote photocopiés. Et lorsque Norma en déposa un sur la table en leur sifflant « Bonne chance !» Carrie prit le bulletin et l'examina. Puis, elle resta un instant, bouche bée. Tommy, nous sommes inscrits là-dessus. Ouais, j'ai vu ça, dit-il. Pour qui va-t-on voter ? Elle considéra, perplexe, le petit crayon près de sa... elle considéra, perplexe, le petit crayon près de sa barquette de fruits secs. Ils sont plus de ton clan que le mien. Elle eut un rire bref. D'abord, moi, je ne suis d'aucun clan. Il haussa les épaules. Votons pour nous-mêmes. Au diable la fausse modestie. Moi, que c'est moi. Les piles étaient plus hautes cette fois, mais semblaient encore identiques. De nouveau, trois décomptes furent opérés. Par précaution, Vic Mooney vint de nouveau vers le micro. Il marqua un temps d'arrêt, savourant le climat de tension qui planait dans la salle, puis il annonça simplement. Tommy et Carrie sont élus. Ah ah! Le roi et la reine du bal de printemps 1979. Tommy Ross et Carrie White. Billy venait de faire une flexion sur les genoux pour se dégourdir.
À côté de lui, Chris manifestait une nervosité croissante. Il passait machinalement les mains sur les coutures de son jean délavé et se mordait les lèvres inférieures avec fébrilité. Il plongea en avant et, des deux mains, tira avec violence sur la cordelette. Il n'y eut tout d'abord aucune résistance et Chris crut un instant que Billy l'avait roulé sur toute la ligne. Puis, la cordelette se raidit et elle sentit une brûlure fugitive à ses paumes. Sur le livre. Les sauts tombèrent. Elle ne perçut d'abord qu'un choc métallique sonore par-dessus la musique. Puis elle se sentit submergée par une masse liquide et gluante. Elle entendit très distinctement quelqu'un dire « Oh mon Dieu, c'est du sang !» Des temps de leur faire une démonstration. Elle eut un bref hystérique. C'est une des formules favorites de maman. Et dans un élan soudain, aveugle, elle fit appel à tout le pouvoir qu'elle pouvait détenir. Plusieurs lampes s'éteignirent. Il eut, quelque part, un éclair éblouissant. À l'instant même où l'un des câbles électriques s'abattait, elle ressentit dans sa tête comme une série. Oh non ! Comme une série de commotions, tandis que les disjoncteurs entraient vainement en action. Et il y eut une explosion d'étincelles rougeâtres, puis la banderole de papier crêpe qui décorait la scène prit feu. Brusquement, sa longue jupe s'embrasa et elle s'abattit en avant. C'est peut-être à ce moment que Carrie bascula dans la déraison. Assise sur son tabouret, elle avait l'air de l'écolière modèle qui tient la tête de la classe. Mais son regard avait une expression démente. Les fenêtres du salon s'ouvrirent brusquement de l'intérieur. La porte de la cuisine claqua et Carrie entra dans la pièce. Son corps, déformé, racorni, évoquait la silhouette d'une sorcière. De sa robe de bal, il ne restait que des lambeaux souillés de sang de porc. C'était caillé et desséché sur la peau. Chuchota-t-elle, chuchota. Margaret White était assise sur un tabouret dans la cuisine, le couteau à découper caché dans les plis de sa robe. « J'aurais dû me tuer quand il est entré en moi, » dit-elle à voix haute. « Maman... »« Maman, je veux pas entendre ça. »« Ah si, tu vas l'entendre là. » À son entrée seulement, j'ai senti son haleine chargée de whisky. Il m'a prise et j'aimais ça. » Elle brandit le couteau. « Je suis venue pour te tuer, maman. »« Prions, » dit maman. Avec un geste de supplication, maman se pencha en avant. Carrie, devinant peut-être la menace, se rejeta vivement en arrière. Et le couteau, au lieu de s'enfoncer dans son dos, la pénétra dans l'épaule. Maman trébucha dans les pieds de sa chaise. Le sang commençait à couler autour du manche du couteau et gouttait sur le sol. Puis Carrie dit à mi-voix, je vais te faire un présent, maman. Ce petit livre est maintenant achevé.